Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans mon sanctuaire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et bon, malheureusement pour vous, je ne vais pas vraiment faire dans l'originalité cette fois-ci, vu que je vais vous faire ma vidéo de mes coups de cœur des soldes de cet hiver. Donc, comme beaucoup d'autres de vos vidéastes préférés, mais peut-être que ça changera des autres, et étant donné que c'est vraiment mes coups de cœur personnel, donc j'espère quand même que je pourrai vous sélectionner des titres différents, peut-être certains que vous ne connaissez pas et qui vous donneront peut-être envie de les prendre à votre tour avant qu'il n'y en ait plus en stock. Et avant de démarrer cette sélection, je tenais à vous rappeler du coup que j'ai créé une chaîne secondaire pour tout ce qui est de mes gameplay, mes let's play sur mes différentes consoles que je fais en live. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Zenji Sanctuary Gaming. Donc le lien est en description. J'ai aussi une autre chaîne secondaire dédiée à l'escalade. Je sais pas si ça vous intéresse, mais au cas où, voilà, c'est dit, c'est Zenji à bloc. Le lien est également dans la description. Et puis aussi, vous pouvez me suivre sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, où j'essaie de publier régulièrement des photos de mes jeux Xbox ou sur d'autres consoles qui sont pas forcément hyper connues. Et aussi j'ai un compte TikTok où je publie des petits shorts par-ci par-là sur diverses choses. Notamment en ce moment, j'ai pas mal de rubriques consacrées à la Japan Expo ou d'autres conventions manga culture pop que j'apprécie énormément. Donc voilà, tous les liens sont en description. Je tenais à vous rappeler parce que je le fais vraiment pas souvent sur ma chaîne. Donc si jamais vous n'êtes pas au courant, voilà. Au moins comme ça, c'est dit. Allez, on commence tout de suite avec Amazon France, où j'ai eu un gros coup de cœur. Je ne pouvais pas passer à côté de ce jeu-là, le Blasphemous 2, donc la suite de Blasphemous que j'avais déjà terminé il y a un moment de ça sur la Xbox One. Et c'était vraiment un de mes plus gros coups de cœur sur cette console-là en termes de Metroidvania. J'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais je ne sais pas si vous connaissez tous vraiment ce que c'est ce jeu-là. Il est incroyable. Donc ça se passe dans une ville en Espagne, sous l'ère de l'Inquisition. Et le jeu est quand même très très dur. On est sur du pixel néo-rétro, donc en 2D. Donc il y a beaucoup de références, enfin de systèmes de gameplay à la Metroid, mais aussi à la Dark Souls, bien que ce soit quand même un petit peu plus accessible en termes de difficulté qu'un Dark Souls. Mais va falloir quand même s'accrocher pour le finir. Et là, je suis très très content pour le Blasphemous 2 qui est enfin dans ma collection, même si malheureusement je n'ai pas encore la Xbox Series X pour pouvoir y jouer. Il est malheureusement pas sorti en cross-gen sur Xbox One pour ce deuxième épisode. Et franchement, je trouve que le prix, c'est cadeau pour celui-ci, c'est 17 euros. Ça va. Mais en tout cas, voilà, c'est un de mes plus gros coups de cœur pour ces soldes d'été. Donc ça commence très fort. Ensuite, sur Amazon US, j'ai eu un beau coup de cœur aussi pour le jeu NASCAR Arcade Rush. Donc enfin un jeu NASCAR en mode arcade qui sort sur Xbox One, parce que tous les autres qui sont sortis jusqu'à présent, c'était des jeux plutôt portés sur la simulation. Donc là, on va dire que c'est un gameplay beaucoup plus fun, des circuits qui ont des courbes assez particulières, assez vallonnées aussi, avec des petits bonus de boost, de choses comme ça. Donc la direction artistique est très cartoon, dessin animé. Donc ça me plaît beaucoup. Le jeu, il n'est pas sorti en Europe, en tout cas sur Xbox. Il est dispo du coup en cross-gen One Series X. Et je l'ai eu pour 30 euros. Alors, je n'ai pas encore reçu ma commande, mais sur Just For Game, je me suis vraiment fait plaisir sur la Xbox et aussi sur la PS4. Bon, on va commencer par la Xbox avec Moving Out 2. Donc, encore un jeu qui fait suite au premier opus que j'avais adoré sur Xbox One. Donc là, cette fois-ci, on est en cross-gen One Series X avec un jeu du coup de déménagement, si vous ne le savez pas, mais complètement délirant as fuck.
T'as plein de petits personnages de cartoon que tu peux personnaliser à ta guise. Tu peux jouer en multijoueur, que ce soit en local ou en ligne, mais aussi t'as une campagne solo. Et du coup, t'as plein de trucs what the fuck qui peuvent arriver dans le jeu. C'est vraiment très très drôle. J'aime beaucoup la physique aussi de balancer des cartons, voler dans les airs ou je ne sais quoi. Franchement, il est bourré de surprises ce jeu-là et j'ai vraiment hâte de pouvoir me faire ce deuxième opus. Un jeu que j'ai pu récupérer pour 20 euros. Ensuite, pour 20 euros également, je me suis pris sur Xbox Series X seulement. Malheureusement, il n'est pas sorti sur Xbox One. C'est Thymesia. Donc, étant un fan de Dark Souls et d'autres Souls-like, je ne pouvais pas passer à côté de cette pépite. Du coup, qui a l'air de se passer dans une époque de peste noire et compagnie. Et bien sûr, c'est bourré d'action et c'est très très dark, et notre héros semble manier des armes spectrales, voilà, qui fait jaillir d'onde ses os pour vaincre ses ennemis. Ça a l'air vraiment super classe, donc j'ai hâte de pouvoir me le faire un jour quand je passerai le cap de la Series X. Ensuite, je ne vais pas trop m'attarder dessus vu que j'en ai suffisamment parlé pendant mes coups de cœur de l'année 2023, mais j'ai enfin craqué pour mon GOTY de 2023, le Lies of P. Quelle pépite celui-ci! Un jeu qui est fait par Neowiz, donc studio coréen, un super action RPG en mode Souls-like dans l'univers de Pinocchio. C'est une dinguerie et j'ai craqué pour ce jeu pour 30 euros. Ensuite, pour un prix ridicule de 10 euros, je me suis pris la petite pépite indé qui est You Suck at Parking. Donc, le titre, franchement, what the fuck, et le jeu l'est tout autant, puisque le but, ça va être tout simplement de garer sa voiture. Faut. T'as un petit. Un petit. Enfin, t'as plein de niveaux à faire dans ce jeu. Tu peux le faire en solo ou en coop, que ce soit enfin en multijoueur, que ce soit en local ou en ligne. Et tu dois esquiver plein de pièges complètement délirants sur ton passage. Et du coup, tu dois terminer le niveau en te garant sur la place de parking indiquée par le jeu. Et j'ai regardé le trailer, j'ai fait, oh mais ça a l'air trop marrant ça. Et il était disponible sur le Game Pass, je sais pas s'il est encore disponible sur le Game Pass. Mais en tout cas, il m'avait fait vraiment envie ce jeu-là. Et j'ai pas eu l'occasion de le faire en multijoueur avec mes potes. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le récupérer, de pouvoir me faire ne serait-ce que la partie solo ou peut-être en coop avec des amis s'ils viennent squatter le canapé. Ça serait avec plaisir. Il a l'air vraiment très drôle ce jeu-là. Allez, maintenant, on passe du côté de la PS4 avec encore des prix vraiment tout rikiki. Je me suis fait un petit craquage pour le Metal Tales Overkill pour 10 euros seulement. Donc c'est un jeu assez particulier, très original, qui allie roguelike, shoot 'em up, enfin c'est du twin stick shooter plutôt, on va dire, avec une ambiance très métal, donc de la bonne bande son rock qui va bien. Le jeu est dans le style néo-rétro et franchement c'est un pur coup de cœur pour moi. J'ai hâte de me le faire sur la PS4. Bon, du coup, malheureusement, les jeux que je prends sur PS4, je le rappelle, ils sont pas sortis en physique sur Xbox, parce que sinon, je les aurais pris sur Xbox, bien évidemment. Ensuite, un autre coup de cœur très très arcade qui nous vient de Atari, c'est AKA Hearth, dans une édition spéciale qui fait un petit peu style mini collector. Et c'est un shoot 'em up encore assez original, je trouve. On est dans une espèce d'arène cloisonnée et on a plein de vagues d'ennemis qui arrivent à droite à gauche dans tous les coins et on doit tous les exterminer. Voilà, il y a pas mal de niveaux à faire et c'est de plus en plus dur. Et la direction artistique me fait énormément penser au jeu Tempest 4000 qui, lui, pour le coup, était sorti sur Xbox One en physique, mais seulement sur le sol américain. Je l'avais terminé d'ailleurs l'année dernière et je m'étais régalé. Donc j'ai hâte de me faire ce jeu-là sur PS4 pour seulement 15 euros.
Ensuite, en tant que grand fan de Shoot'em Up, j'étais obligé de me prendre ces deux compilations qui sont vraiment des pures pépites sur PS4. Ils sont également sortis sur Switch. Bon, c'est dommage, encore une fois, pas sur Xbox One, c'est la Psycho Collection Volume 1 et Psycho Collection Volume 2. Donc, il y a énormément de shoots, je ne sais plus combien exactement, mais voilà, ça fait un bon paquet de shoots de Psycho qui sont sortis sur ces deux compilations-là. Et elles sont toutes deux à 20€ chacune. Du coup, pour les deux compilations, ça fait 40€. Franchement, pour tout le contenu qu'il y a, c'est donné. Pour moi, en tout cas, pour les shmups, ça régale. Ensuite, un autre jeu que j'avais pu tester sur le Game Pass et qui malheureusement n'est pas sorti sur Xbox, et du coup, je l'ai pris sur PS4, c'est Moon Scars. Donc, je l'ai pris à 15€. Et c'est un Metroidvania et qui est un petit peu dur aussi, comme Blasphemous, que ça se rapproche d'un Dark Souls en 2D, du coup, pixel art. Mais par contre, c'est extrêmement dur. Comparé à Blasphemous, je trouve que Moonscar, il est vraiment un cran, voire deux crans au-dessus, tellement c'est chaud. Du coup, je ne l'ai pas fini sur Xbox, mais j'espère prendre ma revanche sur ce jeu sur PS4 et aller jusqu'au bout de l'aventure. Mais il va falloir que je m'accroche sévère pour celui-là. Ensuite, un jeu qui passait un peu inaperçu. Alors, pour ma part, je l'avais déjà repéré depuis longtemps à la jaquette, mais j'étais pas trop sûr de moi pour le prendre. C'est Eight Doors Rooms Afterlife Adventures. Donc, le titre est assez compliqué à dire. Je l'ai pris pour 17€. Et en fait, ce qui m'a vraiment interpellé en regardant la jaquette, c'est le développeur NeoWiz. Donc, les mêmes qui ont fait Lies of Pi, mon jeu de cœur de l'année 2023. Donc, j'ai dit là, franchement, il faut que je teste les autres jeux qu'ils ont fait. Donc, c'est clair, là, j'ai craqué direct pour celui-là, pour 17€. Et je me le suis pris. Ça a l'air d'être un Metroidvania en 2D. Dans un style graphique très original, donc avec plusieurs nuances de noir et blanc et de rouge. Et un style, une ambiance orientale asiatique, donc qui fait très plaisir. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça a l'air assez particulier comme jeu. Je suis curieux de le découvrir. Et enfin, on termine cette sélection avec un super petit jeu tout mignon qui est Tin Hearts. Donc que j'ai eu à 10€. Et du coup, c'est un jeu de plateforme en 3D où vous allez incarner un petit soldat de plomb. Donc ça a l'air tout mignon, tout plein. C'est rempli de féerie et beaucoup de nostalgie pour ceux qui aiment les jouets vintage. Franchement, c'est un jeu qui est fait pour vous. Je ne peux que vous le recommander. Et je suis curieux de le découvrir à mon tour. Et voilà, c'est fini pour cette belle sélection de jeux sur Amazon et Just for Games. Donc voilà, j'ai pas trouvé énormément de dingueries là-dessus, mais je suis quand même assez content des jeux que j'ai commandés. Et en bonus, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, eh bien je vais faire une belle dédicace à ma chérie d'amour qui est passée au Cultura près de chez elle et qui m'a trouvé deux jeux que je cherchais depuis longtemps pour ma collection à moins 50%. Donc on commence avec Evil West sur Xbox One Cross-Gen Series X. Donc en français, un jeu que bizarrement que j'ai du mal à trouver à bas prix. Il est jamais soldé, en tout cas sur internet, et ceux qui le vendent d'occasion, ils veulent pas le mettre à moins de 30€, et c'est 30€ prix d'occasion, c'est pas neuf. Et là, du coup, elle a réussi à me le trouver à 30€ en neuf, donc je suis trop content. Au Cultura, donc à la base c'était 60€, donc voilà, moins 50%, 30€, c'est super, c'est le prix que je voulais mettre en neuf. Et du coup, c'est un jeu de western, mais qui va vous transporter dans une ambiance assez what the fuck, avec des démons, c'est assez dark, et en même temps, vous avez un équipement un peu plus futuriste. Enfin, c'est un mix entre des trucs futuristes et des armes western, style fusil, ce genre de truc à l'ancienne. Voilà, c'est assez particulier, et ça m'attire plutôt. Plutôt pas mal ce jeu, il est magnifique en tout cas graphiquement. Donc TPS, je crois que je l'ai dit, TPS Western. J'ai hâte de pouvoir me le faire celui-là. Et
Le deuxième jeu qu'Emma a trouvé, c'est un jeu vraiment très très arcade qui du coup va rendre hommage au jeu Arkanoid. Et bah c'est tout simplement Arkanoid Eternal Battle en édition spéciale sur PS4, enfin une petite édition limitée. Donc ça fait office d'un petit collector, c'est assez cool l'édition. Et du coup, il était à 40,9€ et du coup, moins 50%, ça le fait revenir à 20€. Donc franchement, c'est pas cher, ça fait plaisir. Et du coup, t'as plusieurs modes de jeu, c'est ça, avec des graphismes revisités. C'est franchement sublime, ça me donne trop envie. Donc Arkanoid, c'était un jeu qui était fait par Taito à la base. Et franchement, eux, ils sont plutôt balèzes pour les vieux jeux d'arcade comme ceci. Donc c'est du casse-brique et ça peut être jouable en solo ou en multijoueur local ou en ligne. Et ça donne trop envie de replonger là-dedans et ça va donner pas mal de bons souvenirs et de nostalgie sur ce bon titre d'arcade. Voilà. Là, c'est vraiment fini maintenant pour cette sélection. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous parler de ces coups de cœur et de vous partager du coup mon ressenti, mes avis sur ces différents jeux. N'hésitez pas à donner les vôtres dans les commentaires et aussi quels ont été vos craquages pendant les soldes. Est-ce que vous avez réussi à trouver des jeux à pas cher? N'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Ça me ferait plaisir de les lire. Allez, sur ce, ciao tout le monde, amusez-vous bien sur vos jeux et collectionnez bien surtout. Allez, à plus.